Bon, du coup, les gars, on se retrouve aujourd'hui à l'entraînement du Vince KFC, donc à Magnanville. Comme vous pouvez le voir, Max et Romain sont tombés malades. Ils ont une bonne grippe des familles. Et du coup, bah, c'est Eduardo et Raphaël, les entraîneurs du Vince KFC de Wish, qui vont prendre la séance aujourd'hui. On est là pour préparer le dernier match de la saison. Exactement. De l'année. Pas de la saison. Déjà ? Ah bon ? Pas de la saison. Mais de l'année, ouais, contre Gargenville. Qui se déroulera ici. On va essayer de les faire courir un petit peu et j'espère que ça va bien se passer. Hein. Mais on espère l'apport tactique d'Eduardo dans la séance. Bon les gars, du coup il y a Romain et Max qui s'excusent de pas être là. Du coup, comme vous le savez, ils sont tombés malades. Du coup, c'est Eduardo et moi qui allons superviser la séance de ce soir. On va essayer de vous faire bosser un minimum pour bien préparer le match. On va commencer par une conservation de balles sur demi-terrain. En jaune, Djibril, Elvis, Tahir, Steven, Chris et Fetchi. Et en rose, Dylan, Emir, Ibra, Cam, Si je veux pas mon nom. Si je veux pas mon nom. Alors le problème c'est que tu vois, Romain il fait une tête de moins que toi. Moi je fais la même taille que toi frérot. On va se mêler au bord du terrain et ça va mal se finir. On l'appelle Balotelli parce que il arrive pas à me mettre sur le boussard. Je sais pas si vous avez la ref. Moi j'ai la ref. T'as la ref. Moi j'ai la ref. Est-ce que eux ils ont la ref à l'intérieur? Je sais pas. Ça colle. C'est à dire que je pouvais pas ouvrir le châssis. Oui, ça doit être ça. T'es moi. Ah, mais toi tu prends trop de temps, Dibri. Mais moi j'ai fait les mains déjà, moi. T'as capté? Comme ça, le froid il passe pas. T'as capté? Après, c'est comment? C'est comment, Chris? La capuche, je suis l'avant à côté ou? Ouais, toi, tu me fais une présentation en fait, du non, produit en fait, là depuis tout à l'heure. Ouais, parce que c'est moi qui l'ai créé la capuche. Ah ouais, d'accord. À la fin de l'épisode. Vas-y, on vous met le lien ici là. Exactement, à la fin de l'épisode, je vais vous mettre un code promo pour donner la force. Le film. Ouais, j'arrive pas. C'est compliqué de mettre un chapeau. Ouais, j'arrive pas, wesh. J'ai tellement plus habitué, tellement je suis coach maintenant que. Mais non, c'est parce que tellement t'es costaud là. Ouais, c'est ça aussi, c'est la salle, les gars. Allez, jouez! Ici on va partir, ça va être, il va y avoir deux défenseurs sur les côtés des buts et deux attaquants ici. C'est des 2-1, donc t'as les deux attaquants qui partent contre un des deux défenseurs, ok? Et ça finit devant le but. Vous avez tous compris? Ouais. Ici, on part sur trois joueurs qui travaillent. Un qui est devant la surface, un qui est ici et un qui est sur le côté. Appui et remise, on va chercher le côté et ça finit sur un centre avec les deux joueurs du milieu qui attaquent. Ouais, sur l'exercice de 2-1 là, mettez vraiment de la vérité, mettez des vraies courses. Moi, je vais pas vous apprendre le foot, mais celui qui a la balle, il vient bien se fixer et vous faites les décalages. Et n'hésitez pas à dédoubler les passes pour vraiment créer des décalages. Ok, les gars? J'en pense que c'est plus clair que Romain et Max. C'est synthétique, clair, net, précis. Franchement, il peut être entraîneur, caméraman, joueur de foot. Arbitre peut-être bientôt, mais. Il peut tout faire, quoi. Franchement, c'était clair, net. Il n'y a pas de coupelle, mais on a tous compris. On attaque à 3, je crois. Non, tu fais la passe à Nathan il fait à un côté. Non, tu fais la passe à Camille, Camille donne à un côté. Mais Nathan ou Nathan. Et Nathan il finit. Non. C'est une passe avec Capi. De ce que j'ai compris, tu fais la passe à Cam. Ouais. Cam il te la redonne. Toi, tu choisis un côté. Tu choisis un côté, tu engages et après tu attaques avec Cam. C'est ça, ok. Ok. T'as compris, mais oh, j'ai compris, hein. C'est lui, il a pas compris comme d'habitude. Hein. Mais ça va pas. Comme d'habitude, La dernière fois, je vous ai filmé tous les deux. Ben, il est tout avec moi. Les buts là-bas, c'est. Il te kiffe. Tu te kiffes. Non, t'es fan de moi. Tu les trouves comment? Ouais, ça va. C'est un entraînement avec beaucoup de répétitions, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, tu lâches un peu l'affaire. Mais ouais, c'est bon, ils mettent une bonne intensité et des bonnes courses de match, donc c'est cool. Et voilà, on va finir sur un petit jeu banide pour
vraiment avoir du jeu et faire des vraies courses de match pour le coup, des vrais duels. Donc, entrée de. Ibé, tu vois pas qu'on travaille là? Bah, vous, tu vois pas qu'on travaille, bah, tu vas rentrer dans le filet aussi. Pierre fait ciseaux, wesh. Vas-y. Pierre fait ciseaux. J'ai gagné. Barto, il a perdu. C'est les consignes du coach. Barto, oui. C'est les consignes du coach. Barto, t'es à l'aise, toi. Eh, hey, je suis pas Romain. Mais ça peut aller vite, mon gars. Mais du coup, t'as cru que c'était Romain ou quoi? Il est venu, Ah, vous êtes trois, Attrapez les jambes. C'est tout le temps les noirs, wesh. Appelle ma mère. Elle, il commence à prendre la couche cette année. Tu t'es battu pour rien. J'aime pas. T'as arrêté? J'aime pas comment. J'aime trop comment Raph il parle. C'est pas Romain, il parle une seule fois. Raph, c'est pas Romain. Va là-bas, mec, t'es un grand, vas-y, bel mec. Raph, c'est pas Romain. Me retiens, mec, de mon équipe, tu vas voir si tu peux aller vite, mon gars. Une sur 10 pour la science. Franchement, moi je mets un 8,5 quand même. Franchement, je vais pas dire parce que sinon je vais plus jouer, mais entraînement de qualité. Amusement, joie, sérieux. Bonne humeur. Bonne humeur. Et en plus, t'as même pas tes diplômes. J'ai même pas mes diplômes. Ouais, je t'ai même donné des petites bits tactiques. Exactement. Les gars. Il y a des mecs qui sont numéro 1, numéro 2, mais ça veut plus trop rien dire maintenant. Après, je vais pas dire de nom. Ouais, mais c'est chaud. Hein. Là, on est à l'académie, on est aux érables à Magnanville. En fait, bon, là, c'est la série des seniors. Mais maintenant, on a beaucoup de jeunes, du 12, U13, U14, des jeunes filles. L'académie, elle vit aussi. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont de l'académie, elle a de devoirs, etc. C'est très très cool. Et il y a des sponsors qui soutiennent l'académie, dont Nerf. Un grand grand merci à eux qui contribuent au fait qu'on puisse faire tout ça avec les jeunes. Là, la mission d'aujourd'hui, c'est de récupérer quelques blasters Nerf. En fait, on va préparer une activité avec les jeunes, on va leur préparer un mini-jeu en fait. Donc là, on récupère les blasters, on va en bas, on prépare tout ça, et même on peut tester un peu Rémi pour voir qui est le plus précis entre les deux. Demain, ils ont entraînement, ils arrivent, petit concours avec les blasters, et celui qui gagne, il a un petit cadeau. Bien sûr, on ne répétera jamais assez, si on utilise un blaster, on se protège, ok, c'est très important, et on oublie tout style, ok. Non, franchement, t'as un petit style. Hein. On est là pour le fun et l'amusement. Je vais sortir une formule de chimie, parce que ça me rappelle un peu la physique chimique quand on était à l'école, mais je ne me souviens plus des molécules. Magnésium plus H2O donne... Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui ne regardent pas peut-être les émissions des jeunes qui sont une fois par mois, et ben on a cette salle qui est juste en dessous. Et c'est là où on fait nos petites activités avec les seniors. Tu es très élégant. Très élevé, je sens que tu es prêt. C'est là où on fait nos petites activités, c'est là où on fait tout ce qu'on fait. Tu veux tester? Moi j'ai testé, on se sent pas défi. Ah ok, d'accord, tu veux qu'on fasse que. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu disais le petit bonhomme dans là. Le petit bonhomme dans là. Ok, alors je t'explique. C'est pas la première fois que j'utilise un blaster, je suis devenu beaucoup trop fort. C'est vrai? Ouais, je te montre. D'ici toi? J'ai plus de seul pas chargé. Entre nous? Oh, plus bas, plus bas. Oh, presque. Un peu plus haut. Ok, ok. Ok. Les enfants seront meilleurs demain. Plus haut, plus bas. Droite, à droite. Et non, faut que je te mets. Voilà. On est des experts. On va viser là la grosse montgolfière qui vole. Enfin, hein. Oui, presque. Oui, bravo. Moi, j'essaie d'éteindre la lumière pour qu'on s'en aille. N'importe quoi, c'est impossible.
possible. J'ai pas réussi. En tous les cas, je le répète encore une fois, un grand merci à Nerf, parce que sans eux, on pourrait pas faire vivre cette académie et faire tout ce qu'on fait avec les jeunes, parce qu'on fait des sorties, etc., etc. Donc un grand merci à eux. Dans la description, il y a un lien pour apprendre tout ce qu'ils font et vraiment être tenu au courant de toutes leurs actions auprès du foot amateur. Merci beaucoup à eux, les gars. Vous avez enfin vos maillots. Donc pour l'instant, vous avez que les domiciles, ok? C'est déjà très bien, depuis le temps qu'on les attend. Par contre, maintenant, vous venez avec vos maillots, vous repartez avec vos maillots, vous les lavez à chaque fois. Attends, je vais faire... Un shooter, notre TikToker préféré. Ça se voit aussi. Notre capitaine, Néo. La légende raconte qu'il n'a pas passé son permis parce qu'il est plus rapide à pied. Il est beau. Mais il est un peu grand quand même. Hein. Ouais, t'inquiète, tu vas grandir encore. Dernier match de l'année 2022. J'aimerais qu'on finisse en beauté, s'il vous plaît. Vraiment. Il y a tout qui est là pour qu'on finisse en beauté. Vous avez vos maillots. Il fait froid, mais il fait beau. Et pour ça, je vais rappeler le match de dimanche dernier, parce que franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir comme ça sur le côté. De voir des mecs qui se battent sur un terrain, qui se donnent à 200%. Qui rentre dans le lard des mecs d'en face. Je veux absolument que chaque personne sur ce terrain ait la même attitude. Clairement, je me fiche de qui est en face. S'il y a la place pour en mettre 8, je veux qu'on en mette 8. Je veux qu'on ait aucun regret à la fin de la saison. J'espère qu'on va rester sur une bonne continuité. Parce que la semaine dernière, on a fait un bon match, bon état d'esprit. Donc là, on affronte les derniers, je crois. Faut pas les prendre à la légère, ça veut dire... Non, franchement, je le sens bien. J'espère qu'on va bien jouer et puis voilà. Là, en plus, c'est le dernier match de 2022. Ouais, dernier match 2022, faut finir sur une bonne note. Comme ça, après, on reprend bien en 2023. Donc, ouais, faire le boulot, ça. Un joueur qui est remplaçant, il m'a dit, tiens, c'est mon petit plaid pour sur le banc. De tous les plaids, il a choisi ça. C'est incroyable. Maintenant, est-ce que je peux te faire une petite imitation? Ok, je dis rien, vous devinerez allez, dans les commentaires, allez, c'est allez, qui. Allez, revenez jusque-là, on s'arrête ici, au retour, on s'arrête ici. C'est au moins 8000. Il y a Jamel Debbouze dans l'émission. Mais on a dit, on dit rien. T'as compris le principe du jeu ? Ah mais j'avais trop envie de jouer. On va arrêter ça, en vrai pas mal. Juste on joue notre foot, on parle pas. Et on arrête de se mettre au niveau de nos adversaires les gars. Comme la semaine dernière, on rentre dedans. Même si c'est faible en face, on rentre dedans et on met tous les buts qu'il faut. Ok les gars ? On se rend match facile dès le début. Pas de frustration, on met les buts qu'il faut, ok ? Allez, j'ai un truc à vous dire les gars, 2 secondes. Comme j'avais dit en début de saison, les équipes qui viennent ici, c'est à nous d'imposer notre jeu. On n'a pas à s'adapter à l'adversaire. Les deux derniers matchs qu'on a fait ici, on l'a bien vu. Hein. On s'est adapté à l'adversaire, on a pris tempête. Donc moi ce que je demande les gars, c'est que vraiment, on est chez nous, c'est à nous de mettre le ton tout simplement. Allez les gars. Allez les gars, allez. Maxime. C'est l'ancien en fait. C'est Nero. On va essayer d'ouvrir le chat Twitch, YouTube, pardon, mais soyez pas sur toi. Chris dans la surface de réparation, Chris qui ressort. La première grosse occasion pour le Vince Cayessé. Dylan en entrée de surface, la frappe. Et ça passe à côté, et voilà. La surface, on a des grands. C'est parti. La tête de Nico, deuxième poteau. Il y avait 2-2. Notre coach a décidé de faire repousser son entraîneur adjoint, mon joueur. Lui à la base il n'est pas spécialement, il l'a forcé entre guillemets. Ah, c'est pas signalé en jeu, Nathan face à face. Oh qui donne pour Nicolas et le but. L'arbitre ne lève pas le drapeau. C'est validé, ça fait 1-0.
pour le Vince KFC. Oui, il y a pas spécialement, il l'a forcé entre guillemets. Ah, il est. Pas si il s'est pas signalé en jeu. Il attend qu'il se présente en face à face. Oh, qui donne pour Nicolas. Et le but. L'arbitre. Tranquillement, c'est vous, chaud et tout. Mais là, ce qu'on fait, techniquement, c'est de plus en plus poussé. Mais ça devient quand même assez complexe. Il y a pas, mais il y a du matos autour de nous. Il y a du matos. Et puis là, ce qu'on fait, on peut le faire qu'à domicile. Aussi poussé, par exemple, avec le micro de Ryan. Parce que là, on est branché avec une prise. On connaît la municipalité. Restant, on va faire ça. Qui a marqué dans le but vide. 1 but à 0 dans une phase où justement on était un peu moins bien dans le match, donc il y a un très bel enchaînement là avec Mathias qui lance Chris. Oh non. Il y avait hors-jeu, c'est ça. Non, oui, voilà, faut quand même faut déménager. Région parisienne, voire autour de Mantes, ce serait le mieux. Attention, parce qu'on a une balle dans la surface avec Nicolas qui essaie de se retourner et qui va obtenir un corner. Oui. Et pour défendre sur lui, il fait très mal. Il est jeune, ouais. Ouais, il est très très jeune, mais il a un petit gabarit, il change très vite de direction au sol. Il est une très bonne frappe de la cuisine. Centré, oh, petit peu. Moi je voulais mettre un coup franc. Enfin, au sol, il s'attaque, ça arrive à foutre là. Ah, Chris. Mais attention, c'est pas fini. Fetti qui récupère, qui a peut-être pour le renseigner. Ouais. Il est hors jeu, mais pas Nathan. Nathan, il est pas hors jeu. Nathan, il est pas hors jeu. Attention, est-ce qu'il va réussir à laisser vite? Il a passé. Oh là 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 là, ça sort. On a Elvis qui est parti sur le côté gauche. Il l'a vu. Allez, Elvis qui va déborder. Elvis qui s'approche de la surface. Et regarde au centre pour Nicolas. Nicolas en face à face avec le gardien. Le mauvais contrôle de Nico, c'est dommage. Le mauvais contrôle. Il essaie de trouver une solution l'un devant qui joue long. Un peu de variation et qui trouve parfaitement Chris. Au 25 mètres, Chris directement dans l'axe qui va trouver Nicolas. Nicolas en une touche. Ah là 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 là. C'est dommage. Encore. Je sais pas si c'est le bon qui a mis ça, mais c'est un peu dégueu. Bon dégagement. B qui vient son duel de la tête, Dylan, magnifique crochet, ça ouvre le passe, et magnifique la passe pour Chris sur le côté droit, quelle passe, ça a ouvert complètement le jeu, il s'en une touche, il va la mettre, ça sortira en sortie de but, dommage, à nouveau, magnifique, dommage qu'il perd le ballon, et nouvelle récupération de Chris. Avec Nicolas au deuxième poteau. Faut pas tomber dans le truc de venir, on court tout droit et on passe tout en vitesse. Non, on essaie de jouer, on essaie de construire le bon centre de Maxi. Il y a du monde dans la surface. Non, à côté. On peut louper ça. Il nous supplé avec une grande réussite. Et Maxime sur le côté. Je répondrai à Albo, j'espère que Nathan Pan ne va pas faire une histoire de barabou. Non, il n'y a pas hors jeu. Maxime Drey qui a peut-être poussé un peu. Il s'arrête encore au corner. Il y a tellement d'espace qu'on joue dans le. Il est bien tiré. Elvis peut-être la tête. Il a retourné Chris. Oh là, il tire sur le gardien. Ça fait tirer là. Ça fait beaucoup d'occasions manquées. Très belle forme. Bravo beaucoup. Il est avec Dylan. Dylan qui à nouveau gagne des mètres. Il va tenter la passe magnifique pour Chris. C'est parfait. C'était encore très bien joué. Dylan, clairement, c'est l'homme de cette première. Il est bien serré le massage, j'ai l'impression qu'il a quand même bien mis dans le truc. Ça doit regarder un petit peu quand même la vidéo. Il s'est trouvé sur le côté gauche. Il va tenter un centre du pied gauche et son mauvais pied est magnifique. Comment on peut louper ça? Enfin, vous en prenez des risques, je sais pas. Enfin, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre avec vous. C'est qu'à chaque fois, il faut rentrer dans la surface pour marquer. Et ça, je vous jure, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que les gars, vous avez la plupart des bonnes frappes. Et putain, derrière ça court pas, vous mettez un crochet, boum, frappe. Les gars, sans déconner, faut faire quoi pour frapper? Vous attendez quoi? Et en plus, plus vous êtes proche du but et moins vous y arrivez. Sans être méchant, sérieusement. Mais là, faut mettre un coup de collier, les gars, parce que là, moi, finir un match comme ça en zéro, ça va vite me saouler. Hein. Quand on voit qu'on arrive à. On a le temps de faire un contrôle, une petite conduite, puis une passe. En fait, c'est les premiers relanceurs aussi, les fautifs dans tout ça. Je dis pas que c'est que de votre faute, attention. Je dis que c'est les premiers relanceurs sur le ton du rythme qu'on donne. Elvis, Ibé, Nero et Max, je l'ai vu deux fois sur le côté de Max. Max, il donne la balle et dans sa volonté de donner la balle, on a du tempo. On a du rythme, c'est ce rythme-là dont on parle. Sur ta transition, Elvis, plusieurs fois, je te l'ai dit, va plus vite. Ah, sentez-le, bordel. Arrêtez, Elvis, arrête de contrôler. Lever la tête et de la mettre. Putain, tu vois, Nathan, il va, c'est Dembélé. Il sort du terrain, il décolle sur Mars. Il va si vite que t'as même pas besoin de savoir s'il est bien placé, s'il a un appel ou pas. Donc la balle, elle arrive de Nero, Ibé, il a fait une passe rapide. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh,
qui est ouvert, verrouillé, la balle en profondeur, on y va. L'action que vous avez fait avec Nathan, c'est génial. Nathan s'est laissé un petit peu emporter par les émotions. À mon sens, il doit la laisser à Mas. Mas se retourner, Nathan proposer en profondeur et Mas le remettre. Mais on est hors tempo parce qu'on s'adapte à notre adversaire. Le centre magnifique, oh, oh, 2-0 et le but d'Arthur qui est rentré en début de demi-temps et voilà c'est qui allez vas-y utilise ta vitesse voilà allez Nathan beau bout mon garçon. Il va passer une deuxième folie dans la surface, Nathan le centre magnifique. Numéro 7. Ah c'est Maxime qui je lâche ça comme ça. Il est sans club. Non, il est sans club. Okay. C'est un faux lent. Oui, c'est vrai. Avec Mathias qui se bat là-bas, qui ressort avec Flo. Flo pour Camille. Camille qui ressort très intelligemment pour Maxime, qui va essayer de mettre dans la boîte. Il change de côté sur Elvis. C'est un lenti comme dans FIFA. Elvis parfait qui élimine sur le côté le centre. C'est dévié par le gardien. Camille au duel. Par contre, il va se battre côté comme Verratti, il ne tire jamais. Nero, capitaine. Wesh. Attention le gardien. Ouais, oui, Elvis qui intercepte. Arthur, il n'y a plus personne dans le but. Faut finir, les gars. Indiscutable. Qui va tirer ce penalty. On connaît Dylan, normalement. C'est un grand sac. Et bah voilà. Et ça fait 3-0. 25 minutes. Il y a largement le temps. Tant qu'on s'endorme. On est ça, c'est la aussi. On prend de Dylan dans la boîte. C'est quand David a contre Magnanville, ça se prend en janvier, on a le mois de la mort. Et là, c'est contre Magnanville, ça fait match USC chez nous et chez eux deux fois d'affilée. Non, c'est pas Dylan, il essaie de relancer le jeu. Magnifique, quelle passe de Dylan, exceptionnel. Ah, l'arbitre assistant qui signale en jeu. Oh, c'est dommage parce que la passe de champion. Magnifique en une touche. Elvis qui récupère, 25 mètres, 1, tu te prends tes lignes, mais ça passe pour Nathan, oh, c'est magnifique, félicitations, faut que ça aille au bout. Allez, allez, Arthur frappe, la frappe magnifique. Dommage, il est bien les gars, c'est bien les gars. Il demande tout, si vous voyez plein d'images, alors c'est lui, pour l'encourager. Pas trop, pas trop non plus, parce que ça raconte. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, mauvaise relance, encore une fois Dylan qui intercepte, Nathan. Nathan qui revient dans l'axe, il va peut-être essayer de frapper. Et c'est encore à côté. Il était comme toi. Il a bien couvert dans l'axe. Oh, je sais pas, je crois. Avec... Ah, je crois que je vais aller voir. Il est sur le côté droit. Il y a un message à quelqu'un. Attention, on revient passe. Peut-être un petit peu sur le site Kleber Zan. Et numéro 8 de Gerjanville qui conserve le ballon. On a réussi à lui prendre. Et très bien joué ça avec le numéro 12 en relais. Qui va lui redonner sur le côté gauche. Attention, faut le suivre, les gars. Il y a duel sur le côté. C'est le col à la peau. Ouais, d'accord. Ah oui, bon. Attention, corner. Et c'est bien pris dans les airs. Oui, il n'y a pas d'enjeu. Oui, il l'a vu. Il n'y a pas d'enjeu. Arthur, qui va peut-être pouvoir récupérer ce ballon qui se bat. C'est dommage. Ça va être récupéré par Dylan. Magnifique, Dylan. Le bon nous assure. Il ne veut rien. Suspense. Et c'est ressorti par la tribune. Ouais, il va intercepter le Camille, regarde, il va lancer tout de suite Nathan Villa, dommage. Maxime. Maxime avec Nathan, dommage. Peut compter en fin de saison. Et Alex qui dit c'est vrai Vince, on te voit plus trop, la concurrence Elvis ça fait ta place. Eh oui, bah c'est la vie. Hein. Le mec qui fait blasé du monde. Encore après ça. C'est la sélection. Quand il y a un mec qui prend ta place, oh, attention, la spéciale Dylan. Oh, la Dylan. Oh, il y a but. Et ouais. Elle est dedans. En plus, il l'a dit à l'entraînement. Ah, c'est Dylan. Le plus blasé du monde. Encore après ça.
c'est la sélection. Quand il y a un mec qui prend ta place, oh, attention, la spéciale oh, direct. La spéciale direct. Oh là là. Il y a but, il y a but. Et on fait l'homme du match. Peut-être, effectivement. Que ce soit dans le jeu, on apporte la surface. Interception d'Elvis. Et là encore, Arthur en contre-attaque. Mathias. L'armada du Mistin, c'est tous les blancs. Arthur, Arthur faut lancer à droite. Il y a du monde à droite. Non, non. Et pas Elvis. Alice. Oh non, non. Pour moi, il est. Oh là là. Non, dommage. Pour moi, il est d'un mec. Mathias qui perd, c'est magnifique. Il trouve un relais avec Arthur. Allez, faut finir. Oh, le double 1-2. Oh là 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 là, dommage. Oh, pour le football. Ah, ils ont voulu nous faire une. Du fun, mais là, il y a des qui. Je sais plus jamais qu'il y a une tirée. La balle n'a pas décollé et il s'est dégagé. Je sais plus jamais tirer à coup franc celui-là. De manière vite. D'affront qu'on a joué contre le Saver. Dame 15. Et on a fait la plupart du temps. Avec Chris qui déborde complètement sur le côté gauche. Qui rentre dans la surface, le centre. Au deuxième poteau, Elvis qui remet. Ah Mathias, la frappe. Le vent est poussé par le défenseur. La prédit! Il manque ce petit but! La prédit! Allez, il passe sur le côté droit, là, il y a peut-être moyen de le trouver. Camille, attention, il est hors jeu. Non, c'est bon, il s'est replacé comme il faut. Elvis qui lance sur le côté. Ouais, allez, allez, Mathias, en haut. La prédit cible, il dit hors jeu. La prédit! À côté! Fini. Allez, bien tiré par Nicolas. But, regarde. C'est repoussé en pleine surface. Boum, Dylan peut-être pour triper. La frappe. Oh la frappe. Dommage. Il agit, hein. Presque but. Hein. Chris de la tête. Et oui. La prédiction sur le fil. Ça, la dernière seconde. La prédiction passe. Sur le fil, sur la soie. Allez, bien tiré par Nicolas. But, regarde. C'est repoussé en pleine surface. Boum, Dylan peut-être pour triper. La frappe. Oh la frappe. Dommage. Pas le Nicolas qui récupère. Ça agit, hein. Presque but. Chris de la tête. Et oui. La prédiction sur le fil. Ça, la dernière seconde. La prédiction passe. Sur le fil, sur la soie. Ils sont francs, frère. Voilà, c'est trop. Là, carrément, je peux même pas parler. Tu vois, Arcus. Voilà, c'est ce qu'on peut sentir. Regarde cette petite ambiance tamisée là, j'aime bien. Voilà, il a dit, restez concentrés. Ah! Ah!